Je vous remercie. À tout à l'heure. Merci, ça va aller. Merci, je peux me débrouiller toute seule. Arnaud, tu peux ouvrir la porte, j'ai les bras chargés. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Arnaud! Tu aurais pu venir m'aider. Dis-moi, qu'est-ce que... Arnaud, qu'est-ce que tu as? Arnaud? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, non. Votre mari? Oui. Je ne peux plus rien faire pour lui. Désolé, il est mort. C'est trop tard. Est-ce que je peux téléphoner? Il faut que j'appelle le service de la police criminelle. Bonjour. Bonjour. L'homme est mort. Il a reçu une balle en plein cœur. Je passe le relais au médecin légiste. C'est vous qui l'avez tué? Quoi? Quoi? Aucun humour, vous. Que s'est-il passé? Eh bien, je suis rentrée du marché. Les sacs de provisions sont encore dans la cuisine. Je suis entrée. Il était allongé par terre. La porte d'entrée était verrouillée? Elle était fermée, mais elle n'était pas verrouillée. Et les autres entrées, je veux dire les portes-fenêtres de la terrasse, elles étaient verrouillées? Tout était fermé. La fenêtre de la terrasse et celle du jardin aussi. Pas de trace de poudre. Ce n'est pas un suicide. Alors, ou bien le meurtrier avait une clé, ou bien votre mari l'a fait entrer. Quand vous avez découvert le corps, à quoi avez-vous pensé? À quoi j'ai pensé? Je le pense toujours. Elle a enfin réussi. Elle a réussi à avoir ce qu'elle voulait. De qui voulez-vous parler? Mon mari a renversé une fille en voiture il y a 5 ans. Il était ivre. Depuis l'accident, cette jeune fille est paralysée. Elle passera sa vie sur un fauteuil roulant. Mon mari a été condamné. Il n'est sorti de prison que depuis le mois dernier. Cette fille l'avait bien dit. Elle l'a même répété à plusieurs occasions. Quand cet homme sortira de prison, je le tuerai moi-même. Alors que voulez-vous que je réponde quand vous me demandez à quoi je pense? Qui est cette jeune fille? Donnez-nous son nom, son adresse et comment on peut la joindre. Je peux lui téléphoner. Je vais le lui annoncer moi-même. Vous êtes d'accord? Non. Non, non. Vous nous donnez son nom et son adresse et rien de plus. Mandy Waldhaus. Vous allez faire sa connaissance.
Bonjour, madame. Police criminelle. Nous voudrions parler à Mandy Waldhaus. Désolée, elle n'est pas là. Elle est à l'université. Ah, elle est étudiante. Oui. Vous parlez bien de la jeune fille qui est dans un fauteuil roulant? Oui. Notre chauffeur l'emmène, puis il retourne la chercher. Ah. Il y a quelqu'un de la famille dans la maison? Oui, sa mère. Donnez-vous la peine d'entrer. Merci. Mettez-vous à l'aise. Je vais appeler Madame Waldhaus. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes de la police criminelle? Oui. Je suis la mère de Mandy. Vous voulez la rencontrer? On nous a dit qu'elle était à l'université. Oui, c'est exact, mais de quoi s'agit-il? Est-ce que le nom d'Arnaud Beck vous dit quelque chose? Oui, en effet, ce nom m'est connu. Cet homme a été assassiné il y a environ 3 heures. Arnaud Beck est mort? Oui. Son assassin est venu le tuer chez lui. Et lorsque nous avons interrogé sa femme, elle nous a dit ceci. Alors elle a enfin réussi. Nous lui avons demandé de qui elle voulait parler, qui avait réussi quoi. Et c'est là qu'elle nous a donné le nom de votre fille. Est-ce que vous connaissez les relations qui existent entre ces deux êtres? Entre ma fille et cet homme? Oui. Monsieur Beck a renversé votre fille en voiture il y a 5 ans. Oui. En effet, c'est lui l'auteur de cette catastrophe. Votre fille aurait dit que dès que cet homme sortirait de prison, elle le tuerait elle-même. Pouvez-vous le confirmer? C'est pour cette raison que vous êtes là? Oui. Doit-on prendre au sérieux les menaces proférées par votre fille? Ma fille est âgée aujourd'hui de 23 ans. Elle avait 18 ans à l'époque de l'accident. Tout à coup, il a fallu qu'elle révise complètement ses projets, qu'elle se remette en question. Oui. C'est vrai qu'elle a dit « je tuerai cet homme ». Mais vous devez comprendre que c'est cette motivation qui l'a aidée à ne pas plonger dans le malheur. Mon mari dit que c'est une partie de sa conscience qu'elle ne doit perdre sous aucun prétexte. Mais cet homme, quand a-t-il été tué? Il y a 3 heures. Ah. Ma fille se débrouille très bien avec son fauteuil roulant. Tout a été calculé ici pour l'aider à se déplacer comme elle le veut. Mais la maison des Becs a une entrée avec un grand escalier. Elle n'aurait jamais pu le monter. Vous avez aussi des escaliers devant votre maison? Oui, mais ici, on la porte jusqu'à l'intérieur. Ma fille ne voulait pas d'un accès pour handicapés à l'extérieur de la maison. Vous avez l'air de bien connaître la maison des Beck. Oui. Je la connais. Mais vous allez probablement demander à mes employés où je me trouvais il y a 3 heures. J'étais ici. Non, non, rassurez-vous, nous n'allons pas interroger vos employés. Nous avons pris connaissance de ces deux faits marquants. Tout d'abord, la mort de cet homme. Et ensuite, bien entendu, le destin tragique de votre fille. N'allez surtout pas imaginer que je puisse avoir des soupçons concernant votre famille, en aucun cas. Merci. Est-ce que vous voulez attendre le retour de ma fille? Le chauffeur est parti la chercher. Il y a le téléphone dans la voiture. Nous l'attendrons. Bonjour. Je suis Mandy Waldhaus. Je m'appelle Derrick. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Klein. Bonjour. Ces messieurs sont de la police criminelle. Ils sont venus nous annoncer qu'Arnaud Beck avait été tué. Mandy, tu as entendu ce que je t'ai dit? Beck, l'homme qui t'a renversé en voiture, vient de mourir. Quelqu'un est allé le trouver chez lui pour l'assassiner. Mandy! Non! Qu'est-ce qui t'arrive? Nous ne pourrons pas l'interroger aujourd'hui. Oh, vous savez, cet enfant... Je vous prie de m'excuser, mon mari arrive. Oh,
Carmine. Ils sont toujours là? Oui. Tu as dit à Mandy que Beck avait été tué? Oui. Et alors? Elle l'a pris comment? Je l'ai vu changer de couleur. Ensuite, elle a fait demi-tour et elle est partie dans sa chambre. Et elle a claqué la porte derrière elle. Ah bon? Allons-y. Bonjour, je suis Monsieur Waldhaus. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Mon nom est Derrick, responsable du service criminel. Mon collègue, Monsieur Klein. J'ai cru comprendre que... Enfin, qu'un homme venait d'être assassiné. Nous connaissions Arnaud Beck. C'est l'homme qui a plongé dans le malheur toute notre famille sans le moindre remords. Mais enfin, vous devez connaître cette histoire. Oui, oui, bien entendu. Le nom de cet homme éveille en moi un sentiment que j'ai peine à décrire. Pourquoi êtes-vous là? Nous vérifions une déclaration que nous a faite la femme de la victime. D'après cette personne, votre fille aurait déclaré, même répété à plusieurs reprises, que lorsque cet homme serait libéré de prison, elle le supprimerait. Oui, c'est exact. C'est ce qu'elle a déclaré. Cette remarque, d'ailleurs, est passée dans la presse également. Les journalistes se sont servis de ma fille et de sa déclaration pour faire la une des journaux. Moi-même, j'ai pensé la même chose. Vous savez, nous serions heureux si cet homme n'était jamais venu au monde. Il arrive que parfois on puisse souhaiter une mort. Excusez-moi. Mandy! Mandy! Mon Dieu, mais comment on arrête ça? Ah, tout de même, c'est pas trop tôt. Mandy. Je vais parler à ces messieurs. Je m'en occupe. Rassure-toi. Ma fille vous prie de l'excuser. Elle est très sensible et elle a parfois des réactions qu'elle a du mal à contrôler. Enfin, je suppose que vous devez le comprendre et j'espère que vous ne l'interpréterez pas de travers. Ne vous fiez pas aux apparences. Une nuit, ma femme et moi, nous avons été réveillés par un hurlement atroce que nous n'oublierons jamais. C'était notre fille qui criait. Son cri ressemblait à un chant de la mort. Nous sommes descendus aussi vite que nous avons pu. Elle était assise sur son lit, à moitié nue. Elle n'arrivait à bouger que ses bras. Elle était en larmes, terrorisée, et elle hurlait. C'était atroce. C'est arrivé plusieurs nuits de suite, juste après ce terrible accident. À cette époque, elle se réveillait en sursaut et elle criait... Je n'arrive plus à bouger mes jambes, je suis paralysé, aidez-moi. Est-ce que vous imaginez ce qu'elle a pu endurer? Oui, nous l'imaginons parfaitement. Il fallait que vous le sachiez si vous tenez à parler à ma fille. Enfin, si c'est vraiment nécessaire. Dès que votre fille se sentira prête à répondre à nos questions, appelez-nous. Je vous promets qu'elle ne sera pas tourmentée. Merci. Merci de votre compréhension. Je vais vous raccompagner. Quelle est ton impression? La même que quand je joue aux échecs. Chacun de nous vient de jouer son premier coup. Monsieur Derrick, je vous ai déjà aperçu, seulement je n'étais pas dans mon meilleur jour. Je ne vous aurais pas reconnu. Oui, je comprends, vous n'étiez pas dans une bonne disposition.
Je ne sais plus ce que veut dire être dans une bonne disposition. Mais nous en reparlerons plus tard. Une promenade nous fera du bien. Allez-y, je roulerai à côté. Non, je peux vous conduire si vous voulez, ce sera non, plus... pas question. Bien. Vous allez avancer et moi je roulerai Entendu. À côté de vous. Monsieur Grosser. Oui. Vous travaillez depuis quand pour cette famille? Depuis 5 ans, depuis l'accident. Et vous n'êtes là que pour Mandy? Oui. J'ai vu la façon dont vous aidiez cette jeune fille. Je veux dire, on sent comme une complicité entre vous deux. Si je comprends bien. Il y a sans aucun doute un lien très personnel qui s'est établi entre vous et cette jeune fille. Vous lui êtes très dévoué. Vous n'aimez pas trop les questions. Non. Et je comprends votre réaction. Je crois que vous connaissez le rôle qu'Arno Beck a joué dans ma vie, n'est-ce pas? N'en parlons pas pour le moment. De quoi parlons-nous? Du rôle que je joue dans votre vie. Je veux dire, je ne suis qu'un cas pour vous. Un cas? Un simple cas? Oui, comme vous le vivez tous les jours. Si vous ne voulez pas répondre à ma question, eh bien, nous allons parler d'Arno Beck. Vous voulez bien essayer de nous faciliter les choses à tous les deux? Bien. Chaque personne a des règles de vie. Lesquelles avez-vous? Pouvez-vous les formuler? Des règles de vie? Mm-hmm. Oui, naturellement. J'ai plusieurs règles de vie, dont une qui est placée tout en haut. Laquelle? Essayez d'éviter les erreurs lorsque je peux les éviter. Je vais essayer d'y réfléchir. Vous me donnez un peu de temps? Oui, naturellement. Maintenant, j'aimerais rentrer. Je peux vous aider? Non, je vous remercie. Cet homme s'occupe de cette fille comme de sa propre fille. Je crois qu'il serait prêt à tout pour elle. Dis-moi, tu as appris quelque chose? Elle m'a simplement demandé quelles étaient mes règles de vie. Est-ce que tu racontes? Oui, mes règles de vie. Parce que tu en as? Oui, bien sûr que j'ai des règles de vie, pas toi. Mais si. Seulement, j'ai parfois un peu de mal à les suivre. Mmh. Monsieur Derrick, je vous dérange? Pas du tout, d'ailleurs. J'attendais votre appel. Vous attendiez? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'avais la nette impression que vous m'aviez enfin accepté comme votre confident. Vous avez peut-être raison. Et puis zut, venez ou restez où vous êtes. Mandy? Oui? Je ne savais pas que tu avais dit à Monsieur Derrick de passer. Oui, je voulais lui parler. C'est gentil d'être venu tout de suite. Tu veux bien me dire de quoi il s'agit? Tu veux que je fasse venir ton père? Non, ce ne sera pas nécessaire. Maman, s'il te plaît. Bien.
Alors parlons d'Arno Beck. Vous entendez répéter de tous les côtés que depuis le jour de ce terrible accident, je ne cesse de dire de façon tout à fait catégorique que je tuerai Arno Beck dès que la justice aura décidé de le libérer. Je vous dis tout de suite que j'étais très sérieuse. J'ai passé des nuits entières à imaginer comment j'allais tuer cet homme. Et je dois vous avouer honnêtement que j'y prenais un certain plaisir. Posez-moi la question que vous devez me poser. D'accord. Alors je vous la pose. Avez-vous tué Arno Beck? Oui, c'est moi qui l'ai tué. Mais vous allez devoir découvrir comment. Vous ne voulez pas me dire comment vous avez fait? Non. Vous venez d'avouer que vous avez commis un meurtre. Oui, je le sais. Eh bien, maintenant, je devrais vous arrêter. Faites votre devoir. Si vous ne m'en dites pas plus, je n'aurai absolument aucune chance quand je serai face aux avocats de votre père. Que feront-ils? Eh bien, ils me diront, par exemple, que votre imagination s'est mêlée à la réalité, que vous ne pouvez plus vraiment faire la part des choses. Voilà ce qu'ils me diront. Ça ne servirait à rien que je vous arrête. Non. Il faut d'abord que vous me disiez comment vous avez supprimé M. Beck. Mais vous ne me direz rien. Non. Essayez de le découvrir. C'est pour ça que vous deviez venir. Essayez de le découvrir. Ah, monsieur Derrick, j'ai appris que ma fille vous avait demandé de venir. Qu'est-ce qu'elle avait à vous dire? Elle avait envie de me faire des aveux. De faire quoi? Elle m'a dit exactement ceci. C'est moi qui ai supprimé Arno Beck. Enfin, voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ceci est ridicule. Comment aurait-elle pu le tuer? Eh bien, elle ne m'a donné aucun détail. Elle m'a seulement dit, à vous d'essayer de le découvrir. Je ne comprends plus rien. Elle vous a juste dit, à vous d'essayer de le découvrir? Oui, c'est exact. C'est ce qu'elle m'a dit. Ma fille a perdu la tête. Voilà l'explication. Elle n'a plus toute sa raison. Elle dit n'importe quoi. Je vais lui parler. Je t'accompagne. Non, 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 laisse-moi. Si, j'aimerais t'accompagner. Non! S'il te plaît, laisse-moi entrer. Mandy, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que ça veut dire, Mandy? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu lui as dit que c'est toi qui avais supprimé Beck. Tu ne peux pas lui avoir raconté une chose pareille. Si, papa, je le lui ai dit. Et je l'ai également fait. Est-ce que tu es consciente de ce que cela signifie? Oui. Tu dis tout simplement oui? Oui. Tu lui racontes que c'est toi qui l'as tué et tu oses lui dire en plus, à vous de découvrir comment. Oui. Tu es complètement folle. Oui. Alors? Je crois qu'elle ne sait plus ce qu'elle dit. Essayez de découvrir comment, c'est idiot. Vous la prenez au sérieux? Oui. Et pour ces incroyables photos, dites-moi qui les a faites. Mandy Walthaus? Oui, je la connais. Nous avons vu les photos que vous avez faites d'elle. Où les avez-vous vues? Je les ai vues chez elle. Son père les a fait encadrer, puis les a accrochées au mur. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir où vous avez pris ces superbes photos. Eh bien, c'est une drôle d'histoire, vous savez. Le genre d'histoire qui marque tout le monde en général. Ça s'est passé il y a environ 2 ans. Nous étions en plein travail. C'est alors que ma secrétaire est entrée et qu'elle m'a dit qu'une jeune fille demandait à me voir. Elle avait rendez-vous. Elle m'avait fait parvenir une photo. Je dois reconnaître qu'elle avait un visage fascinant sur cette photo.
C'est pour ça que je l'ai rappelé et que je lui ai demandé de passer un jour. Ensuite, nous avons eu une sacrée surprise. Monsieur Winter, j'aimerais que vous me photographiez. Des photos comme ça. Ne prenez pas cet air étonné, voyons. Je ne peux pas bouger, mais vous pouvez me photographier comme n'importe quelle autre jeune femme. Vous allez faire disparaître mon handicap. Vous allez voir. Comment est-ce arrivé? Un chauffeur complètement ivre. Et c'est ainsi que les photos ont été faites. On a utilisé un matériel particulier, bien entendu. Ce support en métal, par exemple. La barre a été cachée par le fond noir. La selle de vélo a également servi. Elle nous a permis de la soutenir. Et Grosseur l'a tout simplement installée sur un meuble comme celui-ci. Bonjour, entrez. Merci. J'espérais que vous alliez venir m'annoncer une bonne nouvelle. Alors, elle a avoué? Nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes venus vous parler de Mandy Waldhaus. Quand et où a-t-elle dit de manière très précise qu'elle comptait tuer votre mari? Je ne l'oublierai jamais. C'était au tribunal. Le jugement venait d'être prononcé. Mon mari partait en prison. On voyait qu'il était encore sous le choc. Il allait passer plusieurs années en prison. Tout à coup, Mandy Waldhaus est apparue dans son fauteuil roulant. J'ai alors compris pourquoi il y avait autant de journalistes. Mandy, vous avez entendu le verdict du juge. Quel est votre sentiment? Voilà Beck. Monsieur Beck, avez-vous des déclarations à nous faire? Cette jeune femme est votre victime. Maintenant que Mandy Waldhaus est en face de vous, vous n'avez rien à lui dire? Que voulez-vous que je lui dise? Depuis le début, je ne cesse de répéter que je suis désolé. Mais que voulez-vous que je dise de plus? Je suis désolé, voilà tout. Et vous, Mandy, avez-vous quelque chose à dire? J'aimerais qu'il se rapproche un peu plus. Vous avez entendu? Mandy Waldhaus voudrait vous parler. Elle aimerait vous dire quelque chose. Excusez-moi. Dès que vous sortirez de prison, je serai là et je vous tuerai. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est dans la boîte. Et ce qu'ils avaient enregistré était en première page le lendemain dans le journal. Quand Arnaud Beck sera libéré de prison, Mandy Waldhaus viendra le tuer. Dites-moi, cette fameuse bande, comment peut-on se la procurer? Je ne sais pas où elle est. Son père l'a racheté au reporter tout de suite après, pour une somme dont personne n'a jamais parlé. Mais c'est elle en personne qui me l'a dit, le jour où elle m'a rendu visite. Quoi? Elle est venue vous voir? Ici? Dans cette maison? Oui, dans cette maison. Bonjour, on peut entrer? Je vous remercie. On peut s'asseoir? Merci. Comment va votre mari? Pas particulièrement bien. Il est enfermé dans une cellule. Comment voulez-vous qu'il aille bien? Je me suis bien renseignée. On m'a dit qu'il allait bien. Il lit beaucoup. Ils ont une bonne bibliothèque. Il en profite pour se cultiver. Il est membre d'un club d'échecs. Et vous allez le voir assez régulièrement. Vous allez y retourner bientôt? Dois-je lui passer le bonjour? Non. Je vous ai apporté des photos que vous allez lui montrer. Je veux qu'il prenne bien le temps de toutes les regarder.
C'est vous sur ces photos? Oui, c'est moi. Ce sont d'anciennes photos? Non, elles sont récentes. Je viens tout juste de les faire. Vous les trouvez jolies? Je ne comprends pas. Mais comment avez-vous fait? Ce n'était pas chose facile. Je voulais faire des photos de moi sur lesquelles on puisse voir l'allure que j'aurais pu avoir si je n'avais pas été renversée par un chauffard ivre. Vous devez lui montrer ces photos pour qu'il aille un peu moins bien et qu'il réfléchisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis déjà enfermé en prison. Ça lui suffit pas? Asseyez-vous. Elle a eu des problèmes avec l'assurance? Elle a touché son argent, non? Maintenant, essayez de découvrir comment. Elle dit que c'est elle qui l'a tué, mais elle ne l'a pas tué. En tout cas, pas de ses mains. Deux personnes rentrent en ligne de compte. Le chauffeur, naturellement. Et le père. Elle sait qui c'est. Seulement, elle souhaite deux choses en même temps, oui. Elle veut qu'on découvre l'identité du meurtrier. Et elle veut, en même temps, que ça ne se sache pas. Oui, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Mandy? Monsieur Derrick vient d'arriver, il demande à te parler. Je lui ai dit que tu ne te sentais pas très bien. Mandy... Qu'est-ce que je dois faire, maman? Je crois qu'il est préférable de le renvoyer. Si on le renvoie maintenant, il reviendra demain ou après-demain. Il reviendra tous les jours. Je vais le recevoir. Tant mieux, il est déjà là. Monsieur Derrick, j'espère que vous me pardonnerez de ne pas avoir la politesse de me lever pour vous dire bonjour. Je me demande si je pourrais le refaire un jour. Merci, maman. Prenez donc une chaise. Bien. Dans quelle situation on se trouve aujourd'hui? Eh bien, je dois vous avouer que je me fais beaucoup plus de soucis pour votre situation que pour la mienne. Je vais peut-être enfin savoir dans quelle situation je me trouve. En fait, je pense que vous vous sentez perdu et que vous ne savez pas où aller. Avant tout, je vais me remettre dans mon fauteuil roulant. Je m'y sens plus en sécurité. Bien. Nous avons un meurtre à élucider. Voilà. J'étais dans la salle de bain, je prenais une douche. Si, je peux le faire. J'ai un deuxième fauteuil roulant exprès pour aller sous la douche. Qu'est-ce qui se passe, Madame Fechner? Laissez-nous seul un instant, s'il vous plaît. Mandy, Arnaud Beck sera libéré de prison aujourd'hui, en conditionnel, pour bonne conduite. Ma première pensée a été... Il a réussi à s'en sortir. Il peut tirer un trait sur tout ça. Il a le droit de tout oublier. Et ma seconde pensée a été... Et toi ? Tu vas rester dans ton fauteuil. Lui, il n'a pris que quelques années. Et toi, tu as pris perpétuité. Mon père et moi, nous avons tremblé tous les deux de tout notre corps. J'aime beaucoup mon père. Nous avons toujours eu des rapports privilégiés. Alors, il a dit... Je sais quel jour il doit sortir. Tu veux m'accompagner à la prison? Est-ce que vous êtes allé là-bas avec lui? Avez-vous accompagné votre père à la prison?
Oui, mon père tenait à ce que je vienne. Il a annulé tous ses rendez-vous au bureau. Il voulait voir comment réagirait cet homme en retrouvant sa liberté. Il y tenait beaucoup. Sa femme est là. Et ça ne me dérange pas. Peut-être que c'est elle que ça dérange. On dirait qu'elle veut nous saluer. Je n'ai rien contre. Allons la saluer. Que faites-vous ici? Nous voulons voir votre mari. Comment il va sortir? Comment il réagira en retrouvant sa liberté? Je veux surtout qu'il regarde ma fille. Elle ne retrouvera jamais la liberté. Toute sa vie, elle restera prisonnière dans son fauteuil roulant. Alors que représentent quelques années derrière les barreaux quand on a massacré la vie d'une personne? Tout à coup, j'ai compris que durant toutes ces années, mon père était à côté de moi sur ce fauteuil roulant. Vous comprenez? Avec moi, juste à côté de moi. Je vous demande d'imaginer ce que mon père a enduré. Mon père vient d'arriver. Comment encore vous? Vous ne trouvez pas que vous nous avez suffisamment perturbés? Non, papa. Cette fois, c'est moi. Toi? Qu'est-ce que tu as raconté à l'inspecteur? J'ai dit à Monsieur Derrick comment nous avons attendu Arnaud Beck à la sortie de prison. Pourquoi tu fais ça? Oui, vous êtes allé là-bas accompagné de votre fille et de votre chauffeur, Monsieur Grosser, parce que vous vouliez voir Arnaud Beck lorsqu'il franchirait la porte de la prison. Oui, et alors? Qu'est-ce qu'il y a là d'intéressant? Vous avez parlé avec Madame Beck à votre arrivée. Oui, c'est exact. Elle était étonnée de nous trouver là. Je voulais lui dire que cette affaire avec son mari n'était pas terminée pour nous. Et alors? Que s'est-il passé quand Arnaud Beck est sorti de la prison? J'ai dit, on n'est pas à la bonne distance. Oui, c'est exactement la phrase que tu as dite. Et ensuite... Oui, après, j'ai donné un grand coup de poing sur la boîte à gants, voilà, c'est tout. Il y avait un pistolet à l'intérieur. Mandy. Puis-je parler un instant seul avec ma fille? Oui, si vous voulez. Venez, suivez-moi. Je vous en prie. Mandy, tu es... Mais enfin, est-ce que tu es consciente de ce que tu viens de lui raconter? Ce policier a certainement déjà des soupçons. Non! Mandy! Cet homme est à la recherche d'un meurtrier. Toi aussi, tu le cherches. Hein? Tu le cherches, toi aussi. Oui, papa. Dans ce cas... Monsieur Derrick! Vous venez d'entendre certaines choses qui peuvent vous donner une idée totalement fausse de la situation. Aussi, je vais tout vous expliquer. Oui, c'est vrai, j'ai vu sortir cet homme, mais... ma première réaction a été de... d'ouvrir la boîte à gants et de prendre le pistolet qui se trouvait à l'intérieur. Oui, je l'avoue. Je pouvais prendre ce pistolet et tirer sur cet homme, seulement... je me suis rendu compte que... la distance était beaucoup trop grande. Alors ensuite, cet homme est monté dans la voiture de sa femme et il est reparti chez lui, en bonne santé et toujours en vie. Mais alors, cette affaire est très simple. Montrez-nous ce pistolet. Nous pourrons très rapidement définir s'il s'agit de l'arme du crime. Dans ce cas, il va falloir demander à Grosser. C'est lui qui a les clés de la voiture. Dois-je aller le chercher?
Non, non, je m'en occupe. Grosseur. Oui. Monsieur Derrick vous demande d'apporter ce pistolet que vous avez dans votre boîte à gants. Il aimerait beaucoup le voir. Mais je n'ai pas de pistolet. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous me l'avez montré vous-même, je suis sûr de l'avoir vu. Oui, mais on m'avait proposé d'acheter cette arme, mais j'ai pas voulu la garder. J'aurais dû demander un permis de port d'armes et on m'aurait refusé. Mais durant toutes ces années, j'ai pensé qu'il y avait un pistolet dans la boîte à gants. Désolé, ça avait l'air de vous apaiser, alors je vous ai rien dit. Mais alors tout rentre dans l'ordre. Nous n'avons plus aucune raison de discuter. Tu es d'accord, Trésor? Non. Je vais encore raconter quelque chose que personne ne sait. Il y a quelques jours, j'étais seule dans ma chambre. J'allais partir pour l'université. Lorsque le téléphone a sonné. Oui? Qui est à l'appareil? C'est moi, Arnaud Beck. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Je vous en prie, ne raccrochez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que je vous parle. Accordez-moi quelques minutes. Moi, je n'ai pas envie de vous parler, alors allez au diable! Je vis déjà un enfer. Allô? Je sais que vous allez partir pour l'université. Votre chauffeur vous attend. Comment le savez-vous? Je suis dans ma voiture juste devant votre porte. Je vous observe depuis des jours. Je vois quand on vous porte à la voiture. Alors j'ai eu envie de vous parler. J'ai besoin de vous parler. Je vous en supplie, acceptez de me parler une minute. Non, Grosseur va me conduire à l'université. Allez-vous-en! Il était devant notre porte. C'était quand? Le matin du jour où il a été assassiné. Il n'est pas descendu de voiture. Mais il a vu que Grosseur était obligé de me porter comme une enfant. J'ai su qu'il m'avait observé plusieurs jours de suite. Le matin du jour où il a été tué, je l'ai encore rencontré. Et je n'ai pas pu l'éviter. Tu as encore rencontré cet homme? Et comment? Où? À l'université. Lorsqu'il est venu vers moi, j'ai su qu'il voulait me parler à tout prix. Et que rien au monde ne pourrait l'en empêcher. Accordez-moi une minute. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je vous en prie. Je vous en prie. Acceptez de m'écouter. Je ne serai pas très long. Je croyais que je serais resté calme, mais c'est pas le cas. Nous pourrions discuter ailleurs, dans un endroit tranquille. Peut-être que ça vous dérange. Si vous cherchez un endroit où on peut retrouver le calme, je le cherche moi aussi. Merci. Je vous observe depuis des jours. Et je vois cet homme qui vous porte et qui vous installe dans votre fauteuil roulant. Il faut que je vous dise, moi aussi j'ai l'impression d'être assis comme vous dans un fauteuil roulant. C'est pas la même chose, je vous l'accorde, c'est vrai, mais quelque part, j'ai autant de mal à me déplacer.
Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on ait du mal à se déplacer sans être paralysé? Je suis comme ça. Incapable. Incapable de me mouvoir. Maintenant, je fais partie de votre vie. Et je n'ai pas le choix. J'ai pourtant essayé d'oublier. Je vous assure que j'ai essayé. J'ai même pensé. Tu dois y arriver. Mais certaines nuits, je me réveille complètement en sueur. Parce que ça ne marche pas. Je n'arriverai pas à guérir. Plus jamais. Je suis lié à vous pour la vie. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Vous me demandez de voler à votre secours? Vous voulez que je vous aide? Qu'est-ce que vous attendez? Que je me lève de ce fauteuil roulant et que je me remette à marcher? Vous voulez que je le fasse? Il m'a raccompagné à l'université. Et ensuite, il est remonté dans sa voiture, puis il est entré chez lui. J'étais encore dans ce fauteuil seulement. J'étais bien dans ma peau. J'avais envie de rentrer à la maison et de dire... Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui m'a redonné de l'espoir. Et c'est à ce moment que tu m'as dit qu'Arnaud Beck était mort. Que quelqu'un... était allé l'assassiner chez lui. Oh. Qui a fait ça? Merci, Grosseur, d'avoir essayé de m'aider. C'est moi qui ai tué cet homme. C'est moi. Je vois que tout ceci n'était qu'une regrettable erreur. Il faut que vous me compreniez. Non. Je suis désolé, mais non. Je ne comprends pas. Mandy... Papa. Thank you.
Thank you.